Tous les jours, nous recevons ici des souches issues de laboratoires privés et d'hôpitaux de toute la France. Donc eux, dans leur laboratoire, ils vont isoler à partir de celles des campylobactères, ils vont les identifier ou penser que ce sont des campylobactères, ils nous les envoient. Eux-mêmes, ces laboratoires font les antibiogrammes pour les donner aux malades. Et nous, on a vraiment un statut de surveillance. Alors on vérifie leurs résultats, on leur renvoie les résultats à nouveau. Mais nous, toutes ces souches, on les remet en culture, on les conserve dans notre souchothèque. Et on regarde quand il y a des grosses épidémies, on peut faire des typages, regarder s'il y a des cas d'infections familiaux, collectifs. On fait tout ça, toute cette surveillance. Donc ça, c'est au niveau des campylobactères. Après, il y a une autre partie de notre activité qui est sur les hélicobactères pylori. Donc aussi une souche responsable de maladies gastro-intestinales. Et là, ça va être la paillasse du fond, où là, par contre, c'est plutôt hospitalier. Une technicienne de l'hôpital qui va ensemencer des biopsies gastriques. Donc là, on est vraiment au niveau d'un diagnostic. C'est pas une surveillance à partir des laboratoires aux alentours. On nous envoie vraiment un échantillon pour nous demander est-ce qu'il y a de l'hélicobacter pylori dans cet échantillon. Donc on détecte cette présence par culture et par PCR moléculaire. Par biologie moléculaire. Et on envoie les résultats aux médecins et aux patients. Et nous avons au CNR une partie de recherche, où là on travaille en partenariat avec l'INSERM à l'université, et on met en place amélioration de techniques pour identifier. Et là en l'occurrence on a un gros projet avec le Malditov, puisqu'on peut identifier facilement une souche, un isolat avec le Malditov. Les hélicobactères pylori s'identifient très mal, parce qu'il existe une grande variabilité rien que génétique, donc ça se retrouve au niveau des protéines. Donc quand on identifie un hélicobactère, on veut tenter d'identifier un hélicobactère pylori au Malditov, le score est mauvais. Donc là, il faut déjà connaître ce que signifient les scores. Donc moi, j'ai eu un projet qui a été d'enrichir cette base avec une centaine d'hélicobactères pylori que nous avons dans notre souchothèque. En parallèle du test de cet enrichissement de base, j'ai demandé à Naïs de rajouter d'autres hélicobactères que pylori, parce que la base de Bruker n'a pas tous les hélicobactères qu'on peut connaître. Donc nous, étant CNR, nous avons une collection assez importante de ces hélicobactères. Donc on a décongelé d'autres hélicobactères que pylori. Donc là, Anaïs, il a fallu mettre des choses au point, parce que quel milieu utiliser, en combien de temps ça pousse, vérifier à l'état frais est-ce que c'est bien l'hélicobactère que l'on recherche, parce qu'ils ont, des états frais différents. Donc là-dessus, ça a été au niveau culture un peu d'investissement. Beaucoup de contamination parce qu'on n'est pas sur des milieux très sélectifs. Et une fois qu'on avait nos souches bien pures, elle a fait une extraction protéique dessus pour faire des spectres de référence sur le Malditov, afin d'enrichir la base avec d'autres hélicos. Parce que quelquefois, la paillasse, il nous arrive d'avoir des hélicobactères autres que pylori, et on est obligé de le vérifier par séquençage de l'ADN ribosomal 16S. Et ça, c'est un peu long, ça demande plusieurs jours, parce qu'on séquence, on donne à la plateforme, le temps qu'il passe à la machine, au séquenceur, ça nous demande de bien 3-4 jours, quand tout va vite. Là, au moins, ça nous permettrait d'identifier en quelques minutes un hélicobactère. Donc là, elle a pu rentrer pour l'instant 8 autres hélicobactères que l'on vérifie à chaque fois par PCR, par séquençage de l'ADN ribosomal 16S. On va vous présenter donc 10 boîtes de pétri sur lesquelles il y a un tapis bactérien. Et grâce au Malditov, on va essayer de déterminer quelle est la bactérie présente sur cette gélose. Des outils, ça va être une cible en métal qui se présente sous cette forme, avec 96 spots. Donc on peut identifier, par exemple, en un run, 96 échantillons. Donc dans un spot, il faut déposer un tout petit peu de bactéries. Donc là, Anaïs, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle s'occupe de déposer en premier, en fait, on appelle ça le BTS. C'est pour le Bruker test standard, en fait. Donc ça, c'est un contrôle de run. Dans ce standard, il y a 8 protéines d'Escherichia coli extraits et identifiées. Donc sur le Malditov, donc c'est sous format liquide. Donc sur le Malditov, on lui dira en telle position, voici notre calibrant ou standard bactérien. Et si le Malditov nous indique bien les 8 protéines connues, ça signifie que le Malditov est bien réglé.
Donc pendant que ce BTS sèche, Anaïs va pouvoir déposer les bactéries. Donc on n'a pas besoin d'être en conditions stériles. Si on suffit que là, Anaïs elle ne parle pas et ne crache pas dans sa boîte, on ne devrait pas contaminer l'échantillon. Donc le Malditoff, on peut en mettre un chouïa, que ça marcherait bien. C'est vraiment très sensible. Pas besoin, une simple petite colonie peut être identifiée au Malditoff. Donc à l'aide du cône, elle prélève un petit peu du tapis bactérien et l'étale bien dans le spot. Donc ça s'appelle, c'est une identification en dépôt directement sur la colonie. Après on peut faire une identification à partir d'une extraction protéique. Donc ça c'est plutôt utilisé sur des bactéries difficiles à identifier au Malditoff, qui ont des aspects plutôt gluants, très durs, ou qui ne se cultivent qu'en milieu liquide. Un dépôt, normalement, suffit pour identifier. Donc là, pour l'opérateur, pas de risque particulier. Non, non. L'environnement, là, il y a la poubelle d'Asserie à côté. Complètement. C'est bien sûr port de gants, parce que mine de rien que tenir la plaque, la cible métallique avec les mains, nous avons des protéines sur les mains, donc c'est port de gants pour se protéger nous-mêmes des bactéries et pour protéger notre cible des contaminations. Et après, au-dessus de ces dépôts de colonies, nous allons mettre une matrice qui va permettre de faire cristalliser l'échantillon. Sans cette matrice, au Malditoff, ça ne fonctionne pas. Il n'y aura pas ionisation. Il faut vraiment déposer la matrice au-dessus. Et là, par contre, dans cette matrice, il y a des substances chimiques potentiellement dangereuses, mais c'est tellement dilué qu'il n'y a pas de risque d'inhalation. Après, si on veut être sûr de son résultat, rien ne nous empêche de faire les dépôts en duplicat. Faire deux dépôts, ça confirme notre résultat. On peut vous l'exiger de le faire en duplicat ou triplicat ou c'est vous qui décidez? Non, c'est nous qui décidons. Si on a un doute, de toute façon, on repasse. Si le score n'est pas bon, on repasse. Concernant les campylobactères, parce que les campylobactères, ça s'identifie tellement bien qu'on a toujours des scores verts. Quand on a un score dans le rouge, on repasse pour confirmer. Voilà, tout. Ça va toujours dépendre déjà de la bactérie à laquelle on s'attend. Si on sait que c'est une bactérie difficilement identifiable au Malditoff, parce qu'il en existe, je crois que les staphylocoques sont difficiles à identifier encore, il reste encore des mises au point, là, on va préférer faire un duplicat, voire triplicat, pour être sûr que ce qui est présenté. Donc là, il faut laisser sécher un petit peu, mais pas trop longtemps non plus. Maintenant que les dépôts sont secs, mais pas trop, nous pouvons appliquer par-dessus donc la matrice, dite HCCA. Donc ça, c'est des choses que l'on achète chez Brucker, qui sont fournies par Brucker. Il suffit de reconstituer avec 250 microlitres d'une solution fournie également par Brucker, avec de l'acétone, dont nous avons de l'acétonitrile, du TFA et de l'eau. Donc ça permet la cristallisation de l'échantillon. Si cette matrice n'est pas appliquée, l'identification ne pourra pas avoir lieu, ça ne marchera pas, il n'y aura pas d'ionisation. Donc là, ça risque de vous choquer qu'elle utilise le même cône. Mais ça, c'est un peu au-dessus, oui. Voilà, mais ça a vraiment été indiqué par les techniciens de Brucker. Ils nous ont bien dit, si vous faites juste dépôt de goutte sans toucher la matrice, sans toucher la cible, vous pouvez garder le cône, c'est toujours pour un gain de cône, d'économie. Et de temps, mine de rien, oui. Au niveau du geste, après moindre doute, si on sent qu'on touche la cible, on jette le cône. Et de toute façon, donc la cible, lorsqu'on la lave, on la cote à la fin du lavage par du TFA, en toute petite quantité, mais on la cote, ce qui fait que là, comme dans la matrice, il y a du TFA également, il y a, par capillarité, nous voyons la goutte de la matrice qui s'étale toute seule. Donc on n'a pas besoin de mélanger matrice et échantillon. Donc à nouveau, là, il faut laisser sécher. Donc comme dedans, il y a de l'acétonitrile, très, très volatile, ça sèche très vite. En 5 minutes, c'est sec.
Voici donc le Malditov de l'hôpital. C'est le Microflex, c'est la plus petite gamme disponible chez Broca, qui est vraiment dédiée à l'identification des bactéries. Un petit focus sur les analyseurs temps de vol. Ce sont des analyseurs anciens, puisque les premiers concepts qui font leur développement ont été publiés au milieu des années 40. Leur popularité a grandi considérablement depuis 20 ans, car ces analyseurs sont au centre d'une véritable révolution technologique liée au développement de la source d'ions MALDI. La littérature en anglais s'y réfère avec l'abréviation TOF. Ces analyseurs existent sous deux versions, linéaire, donc c'est le cas pour l'analyse et l'identification des micro-organismes à l'hôpital, ou à miroir électrostatique, dit réflectron, sachant qu'un analyseur à réflectron peut être utilisé en mode linéaire, en désactivant le réflectron. Donc le mode réflectron est utilisé surtout en protéomique en raison de son intérêt résolutif. Principe de l'analyseur à temps de vol linéaire. Dans la configuration illustrée, l'analyseur à temps de vol sépare les ions préalablement générés dans une source d'ions MALDI. Les ions positifs désorbés ionisés sont expulsés de la source par un fort potentiel positif appliqué à la cible de MALDI. Ils pénètrent dans un tube de vol libre de champ électrique. Le temps employé par les ions pour parcourir la distance grand L entre l'entrée dans le tube et le détecteur est corrélé à leur rapport masse sur charge. Les images et les schémas diffusés dans cette vidéo ont été aimablement fournis par Filippo Rusconi, l'auteur du manuel de spectrométrie de masse à l'usage des biochimistes. Donc déjà, il y a qu'un bouton. Faire sortir le sas ou faire rentrer le sas au niveau de la cible. Donc là, Anaïs vient d'enlever le vide du Malditov. On y insère la cible. On referme. Donc là, la règle, c'est toujours avoir des gants, toujours pour éviter les contaminations. On appuie sur le petit bouton vert et ça fait rentrer la cible à l'intérieur du Malditov où un vide se crée. Là, ça nécessite pas mal de secondes. Et pendant ce temps, on va ouvrir le logiciel d'analyse du spectre. Donc voilà l'interface de ce logiciel. Donc première chose, ici, c'est un petit écran, c'est une caméra. Et on est positionné sur le spot A12 par défaut. Il suffit au niveau de la cible ici schématisée d'appuyer sur le spot désiré et la caméra va venir se positionner dessus. Donc c'est bien pour nous, ça nous montre déjà en un coup d'œil, l'aspect de nos bactéries, comment elles se situent. Donc là, ça fait des petits agglomérats, c'est l'image idéale, la cristallisation a bien eu lieu. On a bien du matériel bactérien, enfin, en l'occurrence c'est le BTS, donc c'est les protéines uniquement, et là, en A2, c'est la bactérie. Vous voyez, au niveau de l'aspect, c'est à peu près identique. Donc, on attend que au niveau du Malditov, ce soit prêt, il faut qu'ici, il y ait écrit « Ready ». Donc pour l'instant, là, il est encore en train de se stabiliser. Donc là, on est « Ready ». Là, pas tout à fait. Donc, première chose à faire avant de lancer notre analyse, on se positionne sur notre calibrant et on va lancer une capture de spectre. Donc là, on va venir taper avec le laser sur le spot. Il va y avoir ionisation, déionisation, éjection de particules de protéines qui vont aller dans le tube de vol. Et en fonction de leur taille et de leur charge, elles vont arriver au niveau du détecteur. Et là, cette partie-là, ça va être... Alors là, il nous dit, est-ce que vous voulez nettoyer? Non, je ne veux pas. Voulez-vous commencer? Non, je ne veux pas nettoyer. Et on va avoir ici apparition du spectre protéique de notre ici échantillon. Donc vas-y Anaïs, je te laisse faire. Donc il y a déjà une méthode qui est appliquée par défaut. On a juste à faire lancer la méthode d'acquisition de spectre. Au niveau du laser, il va y avoir plusieurs tirs laser. Donc c'est indiqué ici. Le spectre vert, c'est indiqué ici. C'est dit le spectre de somme. Et le spectre bleu, c'est le spectre obtenu au moment du tir laser. Donc là, comme vous pouvez voir ici,
il y a déjà eu 240 tirs laser effectués sur le spot. Donc en bleu, c'est le dernier spectre obtenu à partir du dernier tir laser. Et ici, il somme tous les spectres obtenus. Donc ça augmente l'intensité des pics. Mais ils sont clairement superposés, quoi. Mais ils sont quand même superposés. Ça montre bien que pour chaque spectre obtenu, c'est quand même la même chose. Donc là, c'est terminé. Maintenant, moi, je retire le spectre unique, je garde le spectre de somme. Et donc là, on va dans l'onglet calibration pour vérifier que notre Malditoff n'est pas déréglé. Donc ici, c'est MBT standard. Donc là, c'est les 8 protéines contenues dans notre BTS, dans notre calibrant. On demande de comparer le spectre avec ces 8 protéines et nous avons un tic à côté de chaque protéine, ce qui signifie que chaque protéine est bien reconnue à la bonne taille, au bon endroit. Si on clique dessus, ça nous positionne plus en détail dessus. Donc on peut voir qu'il y a une certaine distance, une petite variabilité, mais ici, il y a l'erreur qu'on peut accepter comme écart entre la taille théorique et la taille réellement obtenue. Donc là, c'est des erreurs pas bien importantes. Donc là, pour chaque pic, on peut se positionner dessus et vérifier les pics, comment ils sont bien reconnus. Parce que si ce n'était pas le cas, il suffit avec notre souris de cliquer juste à côté et ça décale le pic au bon endroit et c'est là, manuellement, on recalibre l'appareil. Parce que tout ça est vraiment en fonction de la température de la pièce, c'est très important, de la pression de la pièce. Et quelquefois, quand il fait trop chaud, mais il faut remettre à jour la méthode d'analyse du logiciel. Donc là, on est content, tout va bien, on peut lancer notre analyse. Donc pour lancer notre analyse, on va créer une feuille de travail. On choisit notre cible, MSP96. Donc je n'aime pas cette feuille pour rentrer les résultats, je préfère celle-ci. Donc là, ça nous rappelle notre cible, comment elle se compose. Et on va indiquer pour chaque spot le nom des échantillons. Donc je sélectionne la ligne A et B1. C'est ça, Anaïs? Oui. Je les ajoute ici, juste en bas. Par contre, c'est au niveau du... je supprime tout, ça va pas ce que je viens de faire. Parce qu'elle a fait une... Alors, où est-ce qu'on range ça, Anaïs? Identification H. pylori. On se met là. Donc, on choisit le dossier dans lequel vont être rangés nos spectres. Donc, maintenant, on sélectionne les spots que l'on désire analyser. Avec le petit plus, on l'ajoute à notre liste de lecture. Et ici, on va changer le nom. Donc là, Anaïs, je t'écoute, je vais les écrire. Donc, A1, c'est le BTS. Parce qu'après, j'aime bien aussi, on vérifie l'identification du BTS aussi. Le BTS permet de vérifier que le Malditoff est bien réglé, mais également, ça nous sert de contrôle au niveau de l'identification finale. Si on a Escherichia coli, ça assure, c'est bon, toute la manip, toutes les conditions étaient requises pour que l'identification soit correcte. La liste de travail est remplie. On sauve notre liste de travail au cas où on est à la refaire. Je fais OK, et là maintenant, ça va partir tout seul. Donc ici, il se positionne sur A1, enfin pas tout seul, il faut dire quand même, commencer la feuille de travail que vous venez de créer. Donc là, je dis Start, ça va se positionner sur le A1, et il va lancer l'analyse. Donc là, ça va prendre peut-être 5 minutes, c'est environ en moyenne 30 secondes par spot pour obtenir un spectre protéique. Donc 30 secondes fois le nombre de spots déposés, et après ce laps de temps, on pourra aller faire l'identification. C'est toujours le même mouvement, c'est un mouvement en escargot. Ça commence au centre du spot et après on monte. Et un mouvement en escargot, comme ça, toujours. Pour essayer de taper sur la majorité du spot. Donc 40 tirs par 40 tirs, il change de position. Tout simplement. Ici, ça va être les spectres qu'on va aller chercher, que nous venons d'obtenir. Ici, ce sont les bases
donnée par Broker. Donc ça, c'est Broker Taxonomie, la base Broker. Donc vous pouvez voir, il y a 5627 organismes cellulaires qui sont répertoriés, dans lesquels nous avons les spectres de référence. Nous, on se concentre aux bactéries, il y en a quand même 4970. Et celles qui nous intéressent, ce sont les Helicobacter pylori, que je vais aller chercher de suite, je le connais maintenant par cœur. Ils sont là. Donc il y a 25 hélicobactères au niveau genre. Et après, voici les espèces disponibles, dont 7 hélicobactères pylori. Ce qui est, par rapport à sa variabilité, très peu. Et ça, ce sont les 7 autres hélicobactères qui sont disponibles. Et c'est là aussi la deuxième partie du stage d'Anaïs, qui est de rajouter d'autres hélicobactères, comme hélicobactère felis, hélicobactère canis, il y est déjà... ce qu'on a hépaticus, d'arômes. Donc, première chose, avec ce petit icône, donc le logiciel, il est très simple, on va aller chercher les spectres que nous venons de créer. Je pense qu'on a une identification. Hop. Ça, c'est le dossier dans lequel je les ai rangés. Pour éviter d'avoir à tout fouiller, je dis je veux les spectres qui ont été créés depuis le 17, par exemple. J'applique et là, ça me dit voilà les spectres que vous avez créés aujourd'hui. Je les sélectionne tous et je les ouvre. Les voici. Et donc, avec le nom qu'on leur a attribué, et dans cette fenêtre, c'est le spectre obtenu. Donc, des fois, il y en a qui sont plus jolis que d'autres. Là, on peut voir les pics qui sont un peu en hauteur, un peu ratatinés. Donc là, ce n'est pas un spectre idéal pour identifier, mais le logiciel va quand même réussir à détecter une liste de pics. Deuxième, là aussi, un peu ratatiné sur le début. Donc ça, c'est la qualité du dépôt, de la bactérie, dans quel état elle est. Ça, c'est un joli spectre. Tous les pics sont bien distincts. Donc là, encore un peu de bruit de fond. Mais ça, sur un dépôt direct, c'est souvent. Mais ça n'empêche pas l'identification. Donc ça, c'est le BTS. Donc en abscisse, les rapports masse-surcharge et en ordonnée, l'intensité des pics. Oui. Donc, on sélectionne tous ces spectres. Et ici, on va lui dire, je choisis la base de données de Broker, bactéries, et je l'ajoute à ma sélection. Ces spectres vont apparaître ici en bas. Et je vais lancer une comparaison des spectres obtenus à cette base de données. Les listes de pics vont être comparées et le logiciel Broker va nous donner un résultat sous forme de score. Avec une couleur nous indiquant la qualité du résultat. Donc, c'est d'attendre que ça apparaisse pour l'expliquer. Donc voilà, ici maintenant, j'ai mes 4970 spectres de la base Broker des bactéries. Je m'évite les archées et les eucaryotes, je m'en fiche un peu. Je reviens ici, j'ai un petit bouton, ici. Commencer l'identification. Il suffit de cliquer dessus. Le fait d'avoir sélectionné ces spectres et d'avoir mis là-bas dans ma liste sélectionnée la base Broker, l'identification va se lancer automatiquement. Donc le temps est indiqué en bas, il faut une minute pour comparer les spectres obtenus à la base. Et en même temps, on voit apparaître les premiers résultats. Donc par exemple, le numéro 1, 3846, je clique dessus, on a une petite pastille rouge à côté, ça veut dire que le score qu'on a obtenu est inférieur à 1,7. On ne peut pas dire que l'identification et le genre donné soient corrects. Mais on va aller quand même donc à droite de l'écran. Ici, apparaît les 10 meilleurs résultats de la comparaison. Donc le premier résultat, c'est quand même un Helicobacter pylori. Le deuxième aussi. Mais c'est des scores inférieurs à 1,7, à 1,5. Si on suit vraiment la règle de Broker, on ne pourrait pas dire que c'est un Helicobacter pylori. Mais mine de rien, cet Helicobacter pylori, il apparaît 3 fois dans la liste. Donc, on a quand même des gros doutes, on pense quand même fortement que ce soit un Helicobacter pylori. Le deuxième, 3292, il est vert. On regarde, ah, mais pas de surprise, c'est le Campylobacter jejuni de la paillasse, que je vous disais, qui s'identifie très bien avec un score excellent de 2,3.
Au-delà de 2, le score est vert. Entre 1, 7 et 2, le score est jaune. Et en dessous de 1, 7, le score est rouge. Donc là, on en a un qui est roux, qui est jaune, 38-58. On regarde, c'est un Helicobacter pylori. Donc, qui dit jaune, ça signifie qu'au niveau du genre, on peut être sûr que c'est un Helicobacter. Un doute sur l'espèce. Si ça avait été vert, on n'aurait pas de doute sur l'espèce. Et l'image qu'on voit, en fait, c'est une image en miroir du spectre comparé avec celui de la base. Complètement. En vert, c'est les spectres, c'est les pics identiques. Et en rouge, c'est les pics différents. Donc je crois que ça fait... ça prend les 100 pics majoritaires. Ça compare les 100 pics majoritaires du spectre obtenu. Il y en a qui sont tellement petits qu'on ne les voit pas. Donc ça, c'est les premiers résultats obtenus. Voici l'identification d'Helicobacter pylori et de deux campylos pris à la paillasse du CNR par rapport à la base Broecker. Et Anaïs, juste après, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est relancer une identification par rapport à la base Broecker enrichie. Bon, avant ça, il faut qu'on récupère les résultats. Et puis le BTS, on aime bien, hop, on regarde le BTS, le calibrant. C'est bon, Escherichia coli avec un score de 2,456, excellent. Donc toutes les conditions sont requises pour que notre expérience ait bien fonctionné. Donc maintenant qu'on a obtenu nos identifications par rapport à la base Broecker, je vais garder ici mon onglet MSP sélectionné. MSP, c'est pour spectre de référence en anglais. Et ici, j'ai accès à une partie projet. Et c'est là que nous avons créé notre base enrichie. C'est là que moi j'ai rentré d'autres spectres de référence d'Helicobacter pylori. Donc c'est là, enrichissement, j'en ai rajouté 106. Tu rajoutes des pâteaux-vars? Je te faisais rajouter des pâteaux-vars? Oui, j'ai cliqué sur Helicobacter pylori et plus. D'accord. Donc, on se positionne sur Helicobacter pylori. Donc ça veut dire qu'à la base actuelle, où il y a 7 Helicobacter pylori, je vais rajouter 106, plus 119, plus 8 autres Helicobacter. Peut-être ceux-là, je vais les sortir, parce qu'avant, on ne les mettait pas. Rien. Donc, 106 et 119. Ah, il ne veut pas que je sélectionne. Non. Alors, on va faire un par un. Donc, j'ajoute les 106. Ça, ce sont des Helicobacter pylori que nous avons reçus au cours des dernières années à la paillasse. Donc, ce sont des Helicobacter pylori issus de patients en France. Et ça, c'est des Helicobacter pylori issus d'un projet de typage à partir de pathovars. Donc, je les rajoute. C'est toujours 120 spectres de plus. Donc, je me retrouve avec 5000, presque 200 spectres de référence. Je reviens sur mes spectres à moi et je refais identification. Donc là, à nouveau, une minute pour obtenir les résultats. Premier coup d'œil, tout à l'heure, on avait pas mal de spectres rouges. Là, déjà, on n'a plus qu'un spectre rouge qui est identifié en couleur rouge. Et ensuite, en vert, j'avoue, ça améliore pas énormément, mais on a du jaune. Donc, c'est pas encore parfait, mais ça permet une meilleure identification de l'Helicobacter pylori. Donc, à nouveau, je sélectionne tout, je crée mon rapport pour bien faire la comparaison. Alors, donc, comme ça, on a un coup d'œil. Si on veut pouvoir comparer, comment on va faire? On va mettre à la même position. Donc voilà, on a un petit coup d'œil. Voilà, là, on est bien. Donc là, la première page HTML, c'était les résultats contre la base Broecker. Voilà, la base Broecker elle-même. Donc beaucoup de rouge, 3 verts, 2 jaunes. Et ici, plus qu'un rouge, on a gagné un vert. Par contre, parce que c'est déjà les 3 verts premiers sont les mêmes. Donc celui-là qu'on n'identifiait pas, il passe en vert. Et tous les autres qui étaient en rouge, à part ce 38-56 là, ils sont jaunes. Si on clique dessus, en général, je ne suis pas pris au bon endroit. Alors je voulais lequel, je voulais celui-là par exemple. Je clique dessus, et là, ce qui est encore plus bien, ce qui est mieux pour l'identification, c'est que là, sur les 10 propositions, ce sont des HP pour Helicobacter pylori. Donc là, les 10 propositions, c'est des Helicobacter pylori, il n'y a pas d'ambiguïté, on identifie bien un Helicobacter pylori. Si je reprenais le nom 3846 avec Broecker, donc j'ai quand même 1, 2, j'ai 5 Helicobacter pylori. Après, il peut guère faire mieux parce qu'il y en a 7 dans la base, donc je ne peux pas en avoir plus de 7. Mais déjà, l'autre, le fait que les 10 ce soient des DHP, on confirme que c'est un Helicobacter pylori.
Et la plaque, tant qu'elle n'est pas finie, on peut continuer à poser nos échantillons demain, après-demain, une semaine. C'est pas que le fixage cratère, c'est 10 jours après, il n'y a pas de souci. C'est quand elle est finie qu'on va la nettoyer. Le vide est relancé. Oui, on relance le vide pour éviter que des poussières et des débris ne rentrent dans le sas d'entrée à l'endroit où on doit se positionner la cible. Je vous recommande la lecture dans l'opéron numéro 72 de l'association UPBM, l'article de Jean-François, la spectrométrie de masse au service de la microbiologie médicale.